Goedemiddag allemaal, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre webinaire. Welkom bij het webinaire van de Nationale Bank over de economische prognoses voor België najaar 2020. Bienvenue à notre webinaire Projection économique pour la Belgique, automne 2020 de la Banque Nationale. We hebben vandaag twee sprekers voor u. Er is enerzijds de gouverneur, Pierre Wunsch, en dan hebben we ook een macro-economist gespecialiseerd in economische vooruitzichten van de bank, Geert Langenus van onze studiedienst. Il y a deux orateurs aujourd'hui. Il y a le gouverneur, Pierre Wunsch, et il y a Geert Langenus, macro-économiste au sein de notre département d'études et qui est spécialisé dans les prévisions économiques à la banque. We zijn met zeer velen vandaag. Meer dan 2000 mensen hebben ingeschreven voor dit webinar. On est nombreux aujourd'hui, plus de 2000 personnes se sont inscrits pour ce webinar d'aujourd'hui. En dat maakt dat we de vragen uiteraard niet individueel kunnen stellen. Maar we geven u toch wel de mogelijkheid om straks, na de presentatie, die ongeveer 40 minuten duurt, vragen te stellen. Dat kan schriftelijk via de chat. We gaan die vragen dan verzamelen en vervolgens gaan we ze vragen aan de gouverneur of aan Geert Langenus. On est nombreux, donc c'est impossible que vous pouvez poser vos questions individuelles par écran, mais par écrit, vous pouvez poser vos questions, on va les regrouper et après, on va poser les questions regroupées au gouverneur et au Geert Langenus. Op de website van de Nationale Bank, nbb.be, kan u deze presentatie terugvinden. U kan er ook een video vinden van een aantal minuten die onze economische prognoses samenvat. En ook een zeer uitgebreid economisch artikel met daarin de voornaamste cijfers en grafieken. Sur le site de la banque nbb.be, vous pouvez trouver maintenant la présentation. Il y a également une vidéo qu'on a là qui fait un sommaire en 3 minutes de cette présentation. Et en plus, il y a l'article économique de plusieurs pages qui vous donne une synthèse de notre présentation d'aujourd'hui. We zijn klaar om te beginnen. Ik geef graag het woord aan de gouverneur. On est prêt, je passe parole à notre gouverneur Pierre Wunsch. Bedankt Geert. En ik zal beginnen misschien met een aantal kernboodschappen die terugkomen op het einde van de presentatie, maar misschien is het beter om al daarmee te beginnen. Dus ja, eerst boodschappen. Het is vrij duidelijk, als we alleen maar naar de cijfers van 2020 kijken, is het de zwaarste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is misschien een te beperkte zicht op de problematiek. Als we kijken over een periode van 2-3 jaar, dan is het misschien meer vergelijkbaar met andere recessies in het verleden. En zeker voor wat betreft een aantal zuiderste landen, zoals Portugal, Spanje, die geleden hebben onder de vorige crisis. Maar inderdaad, 2020 is vrij uitzonderlijk. Tegelijkertijd, wat we zien, en dat is beter nieuws of goed nieuws, is dat de heropleving in Q3 van dit jaar zeer sterk was. En dat geeft misschien een indicatie dat als wij de sanitaire front onder controle krijgen, dat de capaciteit van de economie om zich relatief snel te herstellen aanwezig is. Tweede boodschap, en misschien het belangrijkste qua wat beleid betreft, en dat is in feite 80% van het verhaal, door de tussenkomst van de overheden, en ik spreek hier van de nationale, regionaal, maar ook op Europese niveau, monetair beleid, toezicht en dergelijke, door de vrij ambitieus en massale tussenkomst, noem maar op, hein, tijdelijk werkloosheid, overbruggingsrecht, waarborgen, lage rente, hebben wij een volledige instorting van onze economie kunnen vermijden. Het is altijd moeilijk om counterfactuals en de andere versie van de geschiedenis te schrijven, maar ik denk echt dat zonder deze tussenkomst dat wij mogelijkerwijs richting waren jaren 30 met een heel diepe recessie. Et donc j'insiste beaucoup sur ce point. Ce qui est important, et c'est l'essentiel de l'histoire, c'est que c'est une crise qui, d'un point de vue économique, a été gérée de manière tout à fait optimale. Il y a évidemment ici et là des choses qu'on aurait pu mieux faire, mais je crois qu'il faut aussi se rendre compte que
En période de crise, parfois, le fait d'aller vite est plus important que le fait d'avoir l'intervention la mieux calibrée possible. Van in het begin heb ik gezegd, en dat is misschien eigenaardig voor een gouverneur, ja, we moeten tijdelijk de saneringsbeleid en de begrotingsobjectief vergeten. Dat is een unieke crisis. Dus we moeten ambitieus reageren. Maar, en ik heb een maar gezegd, het moet gaan over tijdelijk en gerichte maatregelen. Dus het moet tijdig zijn, targeted in het Engels, dus gericht en tijdelijk. Waarom? Omdat onze begrotingssituatie was dat al niet rooskleurig voor de crisis. En we waren al met een, we hadden al te kampen met een tekort van 3%. Onze prognose in dat verband, dat is het laatste punt van deze slides, zijn helemaal niet positief. We hebben een beetje tijd, de rente zijn laag, dus dat laat toe om niet te snel naar een evenwicht te gaan of misschien eerst naar een tekort van 3% om de schuld te stabiliseren. Maar we moeten een geloofwaardig beleid beginnen te voeren in dat verband en zeker in de komende jaren als wij de sanitair front onder controle krijgen. En dan is de hele vraag, ou toute la discussion sur un plan de relance. Alors un plan de relance en français, dat klinkt een beetje misschien anders dan recovery of herstel. Ça donne un peu l'idée d'une politique où tous azimuts, hein, on va mener une politique keynésienne en dépensant et en soutenant la demande. En fait, ce n'est pas ce dont il est question, puisque c'est essentiellement ce dont il est question, c'est d'investissements publics qui sont a priori déjà plus ciblés. Et le message ici, c'est je crois qu'il faudra raisonner en deux phases. Il y a une phase de plan de relance à court terme pour vraiment soutenir l'économie et par exemple des secteurs comme celui de la construction ou autres. Et là, il faut privilégier ce qui va vite, ce qu'on peut mettre en place rapidement en 2021, peut-être encore début 2022. Et puis progressivement, axer plus la politique sur ce qu'on pourrait appeler un plan de transition intelligent, parce que cette crise va laisser des traces et puis qu'on a aussi l'enjeu climatique et tout ça va nécessiter une réallocation des ressources, des investissements, mais aussi des personnes dans différents secteurs. On va aller plus vers des canaux digitaux. Il y a évidemment toute une série d'investissements et de comportements qui doivent changer en fonction de l'enjeu climatique. Et donc, notre économie va devoir démontrer une capacité à réallouer ses ressources rapidement et donc probablement à le faire de manière plus flexible, du een wendbare economie die de capaciteit heeft om zich relatief snel aan te passen aan de uitdaging van de toekomst. On peut passer au slide suivant. Alors après ces messages généraux, je vais parler de chiffres parce que effectivement, quand on fait des projections économiques, c'est beaucoup de chiffres. Et illustrer ici sur ce slide le fait que la perte de PIB au deuxième trimestre à l'échelle européenne a été unique. Donc on a connu des pertes jusque plus de 20% dans un pays comme l'Espagne. C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. En Belgique, on avait à un moment donné pensé, on avait des indications de pertes dans le secteur privé de 30%, ce qui faisait probablement à peu près 25 ou un bon 20% pour l'ensemble de l'économie. Au final, alors on a un peu mélangé avec d'autres pays ici, mais au final, on est à une perte d'à peu près 15% cumulée entre le premier et le deuxième trimestre. Et puis, on a une reprise très vigoureuse au troisième trimestre, qui était pratiquement une reprise en V. Vous savez qu'il y a eu tout ce débat sur un Herstel, all done it in V, in Nike, form of andere form, W. Maar in feite, derde kwartaal was bijna een V-shaped recovery. Maar dan was spijtig genoeg de situatie niet onder controle op sanitair niveau. En we hebben naar een tweede lockdown moeten gaan. Maar in feite, als we kijken naar het impact van de impact van de tweede lockdown, we hebben toch nu een aantal indicaties op basis van enquêtes en surveys dat die veel minder zwaar zal wegen op de economie. Dus ja, een negatief impact, maar veel minder dan misschien gevreesd nog een aantal weken geleden. Volgende slide. Alors, au niveau européen, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une récession de 7,3% en 2020, encore une fois unique, mais une reprise assez dynamique en 2021-2022, ce sont les projections de la Banque Centrale Européenne.
Et ça veut dire que sur une période de 3 ans, en fait, on va être dans une situation relativement comparable à celle qu'on a connue lors de la dernière grande crise, hein, la crise financière, qui avait été suivie en Europe par une crise de la zone euro. Et ça veut aussi dire qu'on s'attend à une reprise de l'inflation, mais aussi, c'est assez remarquable, à un retour assez rapide, probablement ici dès 2023, un niveau de chômage assez semblable à celui d'avant-crise. Et donc, j'insiste encore une fois, grâce au fait que cette crise a été bien gérée, hein, sur base d'une intervention massive des pouvoirs publics, les dégâts, par exemple, en termes d'emploi, pour l'instant, on s'attend à ce qu'ils soient beaucoup plus comparables à une crise normale et en fait inférieurs à l'impact qu'ont eu, par exemple, du temps de ma jeunesse, les chocs pétroliers sur le chômage, où l'impact avait été beaucoup plus important et beaucoup plus durable. Donc ça veut dire qu'on a quand même une économie qui montre une certaine résilience, ou des économies, si c'est au niveau européen, mais mutatis mutandis, les mêmes constats peuvent être faits pour la Belgique, qui en matière de résilience du marché du travail montre dans cette crise, et même s'il y a encore beaucoup d'incertitudes qui y reviendra, une capacité de résistance assez remarquable. Slide suivant. Alors, faire des projections dans un environnement comme celui-là, ce n'est pas facile parce qu'on est face à une crise qui est tout à fait unique et donc nos modèles ne sont pas nécessairement calibrés pour le faire. Donc, on a dès le départ dans cette crise essayé de collecter des informations d'une fréquence supérieure à nos statistiques habituelles, hein, qui arrivent avec typiquement 2, 3, 4 mois de retard. C'est les surveys qu'on a fait avec le RMG, c'est toute une série de données qu'on va chercher chez Google et autres. Et donc sur cette base-là, on essaye d'avoir une vue assez fine vraiment du niveau d'activité des entreprises au mois le mois. Et vous voyez ça illustré dans ce slide-ci. Et les hypothèses techniques qu'on a faites. Alors, quand on a fait les projections, on les a clôturées le 25 novembre, on s'attendait à un impact du lockdown un peu plus important que ce que probablement on était en train d'observer, et notamment une réouverture des magasins plus tardive. Maintenant, le lockdown risque de durer plus longtemps, puisque malheureusement, après une forte baisse, on voit que le niveau des contaminations se stabilise et même repart sans doute à la hausse. Dus na een zeer mooi herstel en heropleving van meer dan 11% in Q3, verwachten wij nu een kleine recessie of daling van de BBP kwartaal op kwartaal van 1,5% in Q4 en dan een herstel in Q1 van 2021. Volgende slide. Donc ça donne au niveau de la projection macro quelque chose qui est assez semblable à l'Europe dans son ensemble. On aurait une situation un peu meilleure en 2020 avec 6,7% de récession. On était encore sorti avec 9% en juin, donc là on a un résultat qui est quand même significativement meilleur. C'est le fait que cette reprise au troisième trimestre a été vigoureuse et qu'elle fait plus que compenser en 2020 le deuxième lockdown. Mais évidemment, on a un point de départ alors en fin d'année qui est un peu moins bon. Et ça veut dire que sur l'année 2021, on se retrouve dans quelque chose, en fait, dans une situation qui est très très semblable à ce qu'on avait prévu au mois de juin, et idem pour 2022, avec une reprise graduelle, hein, mais dynamique par rapport à d'autres reprises, mais c'est simplement parce qu'il y a des mois de production, we hebben een aantal maanden productieverloren in 2020, die in lijn terugkomen in 2021. Dus 3,5% volgend jaar, dan 3,1%, dan 2,3%. Dus in feite een andere manier om dat te zeggen, we zouden terugkomen op de oorspronkelijke BBP van 2019 en 2020. En dus we hebben 3 jaar productie, 3 jaar groei verloren. En dat komt erop neer op min of meer 4,5% van BBP, ja, die we gewoon verloren hebben. En dan is heel de vraag, ja, zal dat op een zeker moment terugkomen? Dus met een snelle groei na de projectieperiode, of is dat definitief verloren? We moeten nog een beetje geduld hebben voordat wij een duidelijker beeld hebben in dat verband. Voilà, ik zal nu het woord geven aan Geert, die de heavy lifting zal doen van de presentatie. En ik kom terug op het eind voor openbaar overheidsfinanciën en besluit. Maar in feite besluit heb ik je al gegeven. Geert, the floor is yours. Ja, dankjewel, Pierre. Misschien kan ik nog, terwijl deze slide nog op het scherm staat. Je hebt al gesproken over de hypothesen op korte termijn. Alles wat met de lockdown en de mesure de confinement en zo te maken heeft. Misschien ook iets zeggen over de Brexit. Voor de eerste keer sinds
Ja, sinds altijd eigenlijk hebben we een no-deal Brexit-hypothese genomen. Het is niet dat we daar de hoop hebben verloren op een handelsakkoord, maar het is een gezamenlijke afspraak geweest binnen de deelnemende centrale banken van het eurosysteem. Gewoon om onze ramingen meer vergelijkbaar te maken met die van de commissie, waar dat ook is gedaan. Dus mocht er toch nog een commercieel akkoord tussen de UK en de Europese Unie uit de bus komen, zouden onze ramingen misschien nog iets beter zijn. En dan misschien heel belangrijk ook, naast de korte termijn is natuurlijk ook de hypothese op de lange termijn. Dus we gaan ervan uit dat in de loop van 2021 een effectieve medische oplossing, dus naar alle waarschijnlijkheid een vaccin, zal worden gevonden. En dat die zou worden toegepast ten laatste tegen het midden van 2022. Dus anders gezegd, vanaf medio 2022 mag volgens deze projecties tenminste COVID geen economisch probleem meer zijn. Dus dat is het kader waarbinnen we werken. Alors, si on passe au slide suivant, donc vous voyez la ventilation habituelle de la croissance du PIB par composante de demande. Donc, le premier message, c'est que ce sera la consommation privée qui va tirer la croissance. Donc, ça, c'est les flux, tous les barres bleues que vous voyez là. Il faudra avoir beaucoup plus... c'est une orange blocs sur mon scherm, die je daar ziet. Il faudra, par contre, avoir beaucoup plus de patience pour les investissements, pour le rebond des investissements. Je reviendrai sur ces deux aspects dans des slides suivant, mais permettez-moi d'abord de dire quelque chose sur les exportations et les importations ici. Donc, vous voyez que les exportations nettes, ça c'est les rectangles rouges sur l'écran, en fait, réduisent la croissance pendant toute la période de projection, donc 2021 jusqu'à 2003. Pourquoi? Ben, ça veut simplement dire que la croissance des importations sera beaucoup plus dynamique, ou plus dynamique en tout cas que la croissance des exportations. Il n'y a rien d'anormal ou d'inhabituel au niveau des exportations, mais la croissance des importations est relativement dynamique à cause de trois raisons, dont un facteur endogène. Donc, il y a le rebond énorme de la consommation privée que vous voyez sur le graphique. Donc, une partie de ces biens consommés ou de ces biens achetés devra être importé. Donc, il y a un facteur endogène qui explique pourquoi les importations sont relativement dynamiques, en tout cas, à court terme en tout cas. Mais il y a aussi deux facteurs un peu spécifiques ou exogènes. Donc, il y a d'abord la reprise du tourisme qui va se faire graduellement, petit à petit, et la Belgique est un importateur net à ce niveau-là. Quand je regarde un peu le temps qu'il fait dehors, je comprends pourquoi. Mais donc, les Belges dépensent beaucoup plus d'argent à l'étranger que les étrangers dépensent ici, en fait. Donc, ça veut dire que dans la mesure où le tourisme reprend, il y aura des importations nettes pour ce secteur-là. Troisième facteur ou deuxième facteur exogène, c'est que durant la crise, évidemment, on a vu une explosion même de l'e-commerce, donc des ventes online, etc. Selon nos enquêtes, une partie de ces effets-là resteront, donc les gens continueront à acheter online plutôt que dans des magasin physique. Et vous n'êtes pas sans savoir que la Belgique n'a pas d'avantage comparatif à ce niveau-là. Donc, beaucoup de ces biens, en fait, viennent des webshops étrangers. Donc, là aussi, il y a un petit boost au niveau des importations. Et il faudra voir si ça dure, mais en tout cas, selon les enquêtes qu'on a, ça ne disparaîtra pas demain. Et le volgende slide, c'est de het verloop van de particuliere consumptie, die eigenlijk op twee motoren zal vliegen. Op korte termijn ziet u, dat hebben we in juni ook al gezegd, dat er enorm veel gespaard wordt in 2020. Dat heeft twee redenen. Eén, men spaart tijdens de lockdown omdat de winkels gesloten zijn, omdat men het geld gewoon niet kan uitgeven, of omdat men niet naar concerten kan gaan, niet naar voetbalmatchen kan gaan, niet op vakantie kan gaan en zo meer. Op langere termijn spaart men misschien ook omdat men wat bevreesd is voor de jobkansen, omdat men denkt, oké, het is niet helemaal zeker dat ik mijn job ga kunnen behouden, dat ik mijn inkomen ga kunnen behouden. Dus die twee vormen, forced saving en voorzorgssparen, duwen de spaarquote naar een eigenlijk nooit gezien niveau in 2020. En als je dat in miljarden uitdrukt, kan je eigenlijk zeggen dat er meer dan 20 miljard, 22 miljard extra
wordt gespaard in 2020. Natuurlijk denken we niet dat dat structureel gaat zijn, dat de spaarquote geleidelijk aan naar een wat normaler niveau gaat terugkeren tegen het einde van de projectieperiode. Merk wel dat we daar nog altijd iets boven het pre-crisisniveau zetten, omdat we denken dat oké, zo'n nooit geziene schok zal misschien toch wel wat permanente littekens ook op de spaarquote achterlaten. We hadden ook een meer optimistische hypothese kunnen nemen en we hadden ook kunnen zeggen dat in een soort vorm van revenge spending, van zodra dat het mogelijk wordt, gaat al dat geaccumuleerde spaargeld in 2020 of een deel daarvan opnieuw worden uitgegeven. Dus we hebben daar een beetje de kerk in het midden gehouden. We denken dat er een normalisatie van de spaarquote gaat komen, niet al te veel revenge spending. Ook al omdat, de gouverneur zal daar straks uitgebreid op terugkomen, omdat de situatie in zaken overheidsfinanciën uiterst zorgwekkend blijft en omdat consumenten waarschijnlijk aan denken dat dat ooit eens zal leiden tot hogere belastingen of lager uitgaven. En daarom ook wat meer de vinger op de knip houden. Maar toch een zekere boost voor de privéconsumptie, die komt uit de normalisering van het sparen. Dan meer structureel, daar ga ik misschien niet te lang bij stilstaan, maar het is daarnet al gezegd, de impact van de crisis op de koopkracht of op het inkomen van de gezinnen is eigenlijk bijzonder beperkt gebleven. Je ziet dat daar de marktinkomens vallen steil naar beneden, maar de overheid absorbeert grotendeels die verliezen in 2020. Natuurlijk in volgende jaar zie je een beetje het omgekeerde beeld, maar desalniettemin, als je vooruitkijkt naar de projectieperiode 2021-2023, zie je daar een redelijk normale stijging, zal ik maar zeggen, van de koopkracht. De consumenten weten dat en dus gaan zij nu al een beetje hun consumptie gaan verhogen, omdat ze denken of omdat ze weten dat hun permanente inkomens eigenlijk weinig door de crisis worden geraakt. Alors, il faut avoir par contre un peu plus de patience pour le rebond des investissements privés, notamment les investissements des entreprises. On l'a mis sur le même graphique ici, comme quoi, pour vous permettre de voir la différence entre les investissements des entreprises et la consommation privée, donc quand même considérable. Pourquoi est-ce que ça demande plus de temps? Ben, il y a deux facteurs un peu structurels. Donc, d'abord, il y a les données ou il y a les statistiques comme quoi actuellement on se trouve avec un taux d'utilisation de capacité qui est clairement en deçà d'une moyenne historique. Donc cela veut dire que même si la demande reprend, on n'aura pas immédiatement besoin des investissements additionnels. Deux, et ça on a mis sur le graphique, vous voyez là un indicateur d'incertitude, donc l'Economic Policy Uncertainty pour la Belgique. Donc vous voyez que ça augmenté énormément au printemps de cette année-ci. Ça a diminué par après un petit peu, mais si on avait prolongé la série, vous verriez en fait que le niveau actuel est comparable avec celui qu'on a vu en 2008-2009 lors de la grande, entre parenthèses, ou entre guillemets, récession. Donc, pour que les entreprises commencent à réinvestir, il faut évidemment qu'ils deviendront beaucoup plus conscients ou beaucoup plus confiants en fait de la reprise de la demande. Et en fait, c'est ce qu'on apprend aussi via les enquêtes, les RMG qui ont été mentionnées par le gouverneur tout à l'heure. Donc là aussi, les entreprises nous disent on a coupé nos plans d'investissement de manière significative en 2020. Il n'y aura pas de reprise ou une reprise très légère en 2021. Il faut attendre 2022, 2023 pour que les investissements reprennent vraiment. Dan kom ik naar de arbeidsmarkt en daar is er toch wel wat beter nieuws in zekere zin. U ziet daar dat er natuurlijk wel wat banen zijn verloren gegaan in de eerste helft van het jaar 2020. Maar tegelijk zie u daar een vreemde knik naar boven in 2020 Q3. In het derde kwartaal zou de arbeidsmarkt al opnieuw een beetje zijn aangetrokken. Maar desalniettemin gaan we ervan uit dat er nog wel wat banenverlies zal volgen.
Al met al zou het gaan om een afname van de werkgelegenheid tussen begin 2020 zeg maar, en het derde kwartaal van 2021 met ongeveer 100.000 mensen. De RMG-enquête van november was veel pessimistischer dan dat. Men sprak daar over 140.000 werknemers, nog gerekend zonder zelfstandigen. De cijfers die vanmorgen zijn gepubliceerd betreffende de enquête van december zien er al wat beter, als ik het zo mag zeggen, uit. En gaan effectief in de richting van onze ramingen. Dus daar komt men op een jobverlies van ongeveer 100.000. Dat is een beetje toeval, moet ik zeggen, want we kenden uiteraard de cijfers van december nog niet toen we de ramingen afsloten. Maar dat lijkt in lijn te liggen met wat de ondernemingen ons op dit moment vertellen. Ik wil er wel op drukken, en ik heb het beeld van Schrödinger's cat gebruikt, dat het bijzonder moeilijk is om daar nu uitspraken over te doen. Want in zekere zin bevinden een heel aantal sectoren van de economie zich nog altijd in een soort kunstmatige coma. Horeca is nog altijd grotendeels dicht, de RECA in elk geval. Toerisme ligt op apengapen. Alles wat met events, grote events in elk geval, te maken heeft, werkt nog niet. Alles wat met recreatie, cinemazalen enzovoort, te maken heeft, werkt nog niet. Dus je kan ervan uitgaan dat dat in een soort kunstmatige coma ligt. Als je gewoon al naar de faillissementcijfers kijkt voor dit jaar, dan liggen die momenteel nog altijd onder de cijfers van 2018 en 2019. Dat is toch wel bijzonder bizar als je, wat de gouverneur daarnet getoond heeft, te maken heeft met de grootste crisis op de jaargroei, althans sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus wij denken dat er nog wel wat faillissementen en dus ook nog wat jobverlies zit aan te komen. Dat verloopt voorlopig vooral via minder aanwervingen, eerder dan echte ontslagen, omdat Belgische ondernemingen structureel veel aan labor hoarding doen. Ik heb trouwens vanmorgen van een tweet van professor Baart geleerd dat dat in het Nederlands arbeidsoppotting heet. Ik zal proberen die term te gebruiken in het vervolg. Maar dus labor hoarding is denk ik de Engelse term daarvoor. Dus al met al zou de werkloosheid inderdaad wel wat stijgen. Tot een beetje naar het beeld van het eurogebied dat u daarnet hebt gezien. Tot iets meer dan 7%. Meer dan rond de 7,5 in sommige kwartalen van volgend jaar. Maar dan eigenlijk al beginnen teruglopen, ook in België, naar een iets lager niveau. Merk opnieuw op dat het niveau op het einde van de projectieperiode wel nog wat hoger ligt dan het niveau waarmee we de crisis zijn ingegaan. Dus er is wel wat structureel banenverlies ook, maar dat blijft opnieuw 100.000 banen die verloren gaan is geen pretje. We zijn gewoon geworden aan een arbeidsmarkt waar alleen maar goed nieuws was. Maar in vergelijking met de klap die er op BWP is, blijft dat natuurlijk relatief beperkt. Alors je passe très vite aux slides suivants avec les coûts salariaux. Il y a deux points à faire. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur le premier point. Vous voyez là, si vous regardez la colonne 2020, qu'il y a une hausse énorme des coûts salariaux en 2020. En fait, tout cela, et c'est encore pire si on regarde non les coûts salariaux horaires, mais les coûts par unité produite, parce que la productivité, évidemment, diminue en 2020. Mais tout cela, en fait, est lié à des facteurs techniques. Donc, ça me prendrait beaucoup plus trop de temps pour expliquer tout ça. Mais un exemple, par exemple, c'est les primes de licenciement qui augmentent temporairement les coûts salariaux en 2020, mais qui, évidemment, se répéteront plus en 2021, 2022, 2023 dans la même mesure. Donc je pense que c'est plus important de regarder, il est plus important de regarder la tendance fondamentale ou la tendance structurelle au niveau des coûts salariaux et de se focaliser sur la période 2021-2023. Donc là vous voyez que l'augmentation annuelle diminue un petit peu, mais on a quand même toujours un rythme de croissance qui est plus élevé que 2%. Alors pourquoi? On n'a rien fait d'anormal au niveau des augmentations conventionnelles salariales. Donc comme d'habitude, on n'a pas de normes salariales, donc ça doit encore être négocié. Donc on a pris une hypothèse technique que ça ressemblerait un petit peu à ce qu'on a vu dans les années précédentes, 2018-2019. Donc là, je pense qu'on a une croissance normale au niveau des wage settlements.
Par contre, ce qui pousse la croissance salariale à la hausse, c'est bien les indexations. Donc, 70% de la croissance nominale des coûts salariaux provient simplement des indexations. Et on veut bien insister sur ce message parce que ça peut générer des problèmes de compétitivité. Donc, si je passe aux projections d'inflation dans le slide suivant. Donc, si les projections d'inflation entre la Belgique et les partenaires, entre les partenaires européens divergent beaucoup, ça peut créer des problèmes évidemment de compétitivité. Ce qu'on constate actuellement, c'est qu'il y a déjà une différence au niveau des derniers chiffres mensuels entre la zone euro et la Belgique. Donc en zone euro, en chiffres mensuels, l'inflation en fait est négative. Pour l'instant, il y a plein de facteurs temporaires qui expliquent cela, mais quand même, l'inflation belge est beaucoup plus élevée que cela, donc reste positive. Ensuite, on a l'inflation, de Belgische inflatiepraxis, op de volgende slide kijken. Ja, dan valt er eigenlijk niet zo heel veel speciaals te vertellen. Dat is een beetje het beeld dat u al kent uit onze vorige ramingen, behalve de volatiliteit die u misschien ziet in 2020. En die komt eigenlijk grotendeels, of eigenlijk alleen maar voor, uit de daling van de energieprijzen. Het is misschien een beetje vreemd omdat momenteel de energieprijzen weer aan het stijgen zijn. Maar als je het gemiddelde van 2020, sorry, vergelijkt met het gemiddelde van 2019, is er natuurlijk een heel forse daling. U ziet daar ook een redelijk groot groen blokje, dat zijn de voedingsprijzen, die wel wat meer zijn gestegen dit jaar dan in 2019. En dat is ook een beetje een tendens die zal blijven over de volgende jaren. De belangrijkste macro-economische vaststelling daar heeft te maken met de blauwe blokjes. En daar ziet u dat de onderliggende inflatietendens eigenlijk geleidelijk aan toeneemt, hè, tot ongeveer 1,4 zoiets in 2023, wat onze inflatie dichter bij de 2% brengt dan het geval is voor het eurogebied in elk geval. Maar die stijging verloopt heel gematigd, heel traag. En dat komt omdat de stijging van de loonkosten die je net hebt gezien, een beetje wordt gecompenseerd door een relatief traag en onvolledig herstel van de winstmarges. We hebben ze niet op slide gezet om wat tijd te winnen, maar de winstmarges dalen sterk in 2020 en herstellen daarna redelijk onvolledig en heel traag. Voilà, Pierre, je vous passe la parole pour les finances publiques. Bedankt, Geert. Ja, overheidsfinanciën. Mag ik aan jullie vragen om zich op mute te zetten? Ik heb een echo, ik krijg een echo. Donc, les finances publiques, en fait, les projections sont fort semblables à celles du mois de juin, et donc je vais en partie répéter les messages que j'avais donnés à l'époque. In 2020, il y a un tekort van bijna 11% van de BBP, hein, 10,6. Dat is heel veel, maar op zich is dat misschien niet dramatisch, omdat de financieringsvoorwaarden vrij gunstig zijn, hein, min 30 basispunten op 10 jaar. Dat zal niet wegen op de financieringskosten van de schuld in de komende jaren. En nog eens, in de mate dat het gaat over tijdelijke maatregelen, is dat van misschien minder groot belang dan een verhoging van structureel tekort. Et justement, en parlant de déficit structurel, même si on n'a pas strictement une bonne idée d'où en est l'output gap, mais disons qu'en fin de période, horizon 2023, où on doit être quand même probablement quelque part proche d'un output gap qui est fort resserré, on a encore un déficit de 6%. Alors ça, c'est inquiétant parce que ça veut dire que la dette, si on ne fait rien, augmenterait de 3% par an, et une dette qui augmente de 3% par an, ce n'est pas tenable. Donc ça veut dire qu'il faut revenir assez vite vers un déficit de 3% qui permettait de stabiliser la dette. Et puis après, conformément à nos engagements européens et à l'objectif de moyen terme qui est défini par la Commission, poursuivre l'effort vers l'équilibre budgétaire pour recréer des marges de manœuvre, hein, om buffers weer op te bouwen of aan te leggen. Dus 6%
om het kort te houden, is te veel, is niet houdbaar op termijn. Tegelijkertijd moeten wij een zeker ademruim geven aan het herstel, aan de heropleving. Dus ik pleit er niet voor en zeker niet om vanaf volgend jaar inspanningen te doen en om te gaan naar een soort van saneringsbeleid. 21 zal nog een moeilijk jaar zijn, met nog begin van het jaar blijkbaar een aantal maatregelen nog in verband met wat mag en niet mag op niveau van economische activiteit. Mais quelque part, à partir de 2022-2023, on va devoir commencer à passer d'une stratégie fiscale et budgétaire qui est expansionniste vers une stratégie budgétaire et fiscale en fonction de l'évolution de la situation économique qui va devoir remettre le focus sur l'assainissement des finances publiques et le retour à un niveau de déficit qui est acceptable. Slide suivant. Alors, een andere manier om dat te bekijken is, en ik heb het juist vermeld, we gaan terug naar ons oorspronkelijk niveau van BBP in 2020. Dus wij verliezen 3 jaar groei. Maar in feite, binnen 2 jaar, in 2022, zullen wij voor dezelfde BBP een veel hoger niveau hebben van primaire uitgaven. Die zouden stijgen van 50% van BBP naar 55%. En we hebben ook daarbovenop een ambitie om onze investeringen, openbaar overheidsinvesteringen, te verhogen. De blauwe lijn geeft aan wat wij genomen hebben als hypothese in onze model. En de stippe lijn wat de ambitie is van België op middellange termijn tegen 2030. En ja, op een zeker moment zullen wij keuze moeten maken, omdat het huidige niveau van uitgaven wordt niet vandaag gedekt door ontvangsten. Dus op een zeker moment zullen wij moeten beslissen ofwel hogere belasting, ofwel lagere uitgaven, ofwel, en waarschijnlijk een combinatie van de twee, het gaat over een politieke keuze. Ce que je peux quand même dire à titre d'indication, c'est que 55% de dépenses publiques, c'est quand même certainement vers le haut de la fourchette de ce qu'on observe dans les autres pays européens, et certainement en perspective historique. Il faut savoir qu'en 2000, il y a 20 ans, on est encore à 42% du PIB. Donc entre 2000 et 2020, on a augmenté nos dépenses publiques de 13% du PIB en pourcentage du PIB, donc au-dessus de la croissance du PIB. C'est évidemment quelque chose qui n'est pas tenable. Et donc, on va devoir en Belgique un jour avoir une certaine capacité à créer des gouvernements ou à former des gouvernements sans que ce soit nécessairement au prix d'une politique budgétaire qui n'est pas tout à fait tenable à terme. Je ne veux pas dramatiser outre mesure. L'environnement de taux bas permet de prendre un certain temps pour mener cette politique d'assainissement. Je l'ai dit par ailleurs, je crois qu'il n'est pas ni crédible ni vraiment souhaitable de retourner rapidement à 3% donc d'ici la fin de la législature. Ce serait probablement un rythme un peu trop rapide. Par contre, 6%, c'est trop élevé pour la fin de la législature, donc il faudra essayer de se trouver quelque part entre les deux, mais surtout d'avoir une politique très crédible qui indique que politiquement, on sait comment on va y arriver et que d'ailleurs, on est capable de poursuivre ce genre de politique avec des mesures supplémentaires les années qui vont venir lors de la législature suivante, parce qu'effectivement, on va devoir maintenir cette politique d'assainissement probablement pendant au moins une dizaine d'années. Et simplement aussi vous dire qu'on est parmi les pays qui sont les moins bien situés en Europe en la matière, assez proche de l'Italie, de la France, de la Slovaquie et de l'Espagne. Volgens de commissies en wij zelf de tweede, hebben wij de tweede hoogste tekort in 2020. Dus bon, er is nog vrij veel onzekerheid in dat verband. Maar België scoort duidelijk niet goed wat overheidsfinanciën betreft. En wij hebben toch een vrij hoge schuld. Wij zijn ook deel van de groep met de hoge schulden in Europa. Volgende slide. Alors, il est traditionnel quand on fait des prévisions d'essayer de voir, tiens, est-ce que c'est tilted to the downside, est-ce que c'est optimiste ou pessimiste. C'est un peu bizarre parce que normalement, on devrait essayer de faire des projections qui sont
équilibrées en termes de risque. Vous dire qu'elles sont finalement assez bien en ligne avec ce que d'autres ont prévu, mais simplement la nôtre étant plus récente, on a mieux intégré les bons chiffres de Q3 et le second lockdown. Donc on a des chiffres qui sont meilleurs en 2020 et qui sont plutôt moins bons en 2021. Mais sur l'ensemble de la période, on est assez bien en ligne avec les autres, notamment organisations internationales. Quels sont les risques à la baisse d'une telle projection? Mais c'est évidemment que sur le front sanitaire, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Qu'on pourrait se voir à un moment donné obligé de prendre des mesures d'austérité supplémentaires. Il faut voir quand on rétablit les règles au niveau européen, puisqu'elles ne sont pas d'application en 2020 et 2021 en matière budgétaire. On voit une certaine tension sur les conditions de financement des entreprises à l'échelle européenne, mais pour la Belgique, c'est encore très limité. Alors, quel pourrait être l'upside? Ben, déjà, un qui est observé, c'est qu'on a rouvert les magasins plutôt que prévu. Ce n'était pas dans notre scénario retenu pour la projection. Une distribution plus rapide du vaccin, ou moins rapide, hein, puisque c'est un peu avec ça qu'on est. Ça a été les nouvelles les dernières semaines, et alors ce serait plutôt dans le rouge. Mais surtout, ce que Geert a mentionné, hein, c'est le fait d'atteler une hypothèse que Marc a dit. Wat de mensen gespaard hebben in 2020, de 22 miljard, dat ze zouden voor een deel dat geld kunnen gebruiken voor een uitzonderlijke buitengewoon toename van hun uitgaven als op het moment dat het virus onder controle wordt. Donc si à un moment donné les gens ont confiance dans l'avenir, qu'ils ont vraiment été contraints dans leur comportement de consommation, et c'est très inhabituel, on ne peut pas exclure qu'à un moment donné, il va y avoir, donc comme Geert l'a mentionné, une pent-up demand qui va s'exprimer, et donc avec une croissance de la consommation qui serait plus forte que retenue dans le modèle. Et puis éventuellement aussi des mesures de soutien supplémentaires. Voilà, je crois que le dernier slide, c'est les conclusions, mais je les ai données en début, et on a pris 3 quarts d'heure pour la présentation, donc il faut au moins laisser un quart d'heure pour les questions-réponses. Donc, je rends la parole à Geert Messiho cette fois-ci. Merci, gouverneur. Dank u wel, Geert Langenus. Et oui, on a reçu déjà quelques questions. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez encore des questions via ce fonction chat. Als u nog vragen hebt, stuur ze gerust via de chat naar ons door. En gouverneur, laat ons beginnen met misschien een vraag in uw rol als lid van de ECB, want er zijn ook vragen over gekomen. Een eerste vraag is, als er meer geld in omloop is dankzij de tussenkomsten van de centrale banken en de aankoopprogramma's, dan verwacht je toch dat de prijzen zouden stijgen. Toch blijft die inflatie uit. Hoe verklaart u dat? Ja, het is een zeer terechte vraag. En, bon, eerlijk gezegd, de inflatie is lager dan verwacht. Het is al het geval, misschien al denk ik 5 jaar nu, dat wij bijna stelselmatig onze inflatieprognose, dat wij de inflatie overschatten en dat wij later zien dat de inflatie lager is. En er zijn mensen die zeggen, ja, op een zeker moment moet de inflatie toch naar omhoog gaan. Er was vorige week een speciaal nummer in The Economist met precies dat titel, deze titel. Dus terugkeer naar inflatie. Het is wel mogelijk. Wij doen, zou ik zeggen, alles om ons objectief na te leven van beneden maar dicht bij 2%. En we zijn bezig met een strategische oefening op ECB-niveau die zou kunnen leiden tot een aanpassing van onze vertaling van de vertaling van onze mandaat, dus van onze specifieke objectief. Maar hoe dan ook, inderdaad, heel veel onzekerheid over de ontwikkeling van inflatie. En ik denk dat wij eerlijk moeten zijn. Wij begrijpen dat niet goed. En dus ik denk dat we steeds meer moeten redeneren in term van risico. Risico van laag inflatie, maar ook misschien op een zeker moment risico van een hogere inflatie. Alhoewel, en we zien dat ook in de VS, veel van ons gouverneurs hebben een zekere tolerantie uitgedrukt over een tijdelijk hoger inflatie dan wat wij recent gezien hebben. Gewoon omdat het al 5 jaar duurt dat wij te kampen hebben met een laag inflatiecijfer.
Merci. Question de même genre, même thématique de Sébastien Tonnet. Il pose la question suivante. La projection montre une augmentation de l'inflation proche de 2% pour les trois prochaines années. Pensez-vous que cette augmentation va pousser la BCE à revoir ses taux d'intérêt, ce qui serait une mauvaise nouvelle, il dit, pour la finance publique avec le déficit et l'accroissement de la dette actuelle? Non, mais je crois que la réponse est assez simple en la matière, c'est que la Banque Centrale Européenne regarde l'inflation moyenne en Europe, et en Belgique, ces dernières années, on a une inflation supérieure à la moyenne européenne, ce qui, en passant, et Geert l'a mentionné, peut à un moment donné conduire à un problème de compétitivité ou de positionnement des salaires. Mais voilà, la Belgique, elle, est effectivement, a été assez proche ces dernières années de l'objectif européen, en tout cas plus proche que la moyenne européenne. Et donc, en soi, ça ne va pas jouer autrement qu'au travers de l'impact sur la moyenne, mais ce n'est pas vraiment tout à fait neuf qu'on ait en Belgique une inflation qui est plus élevée que la zone euro dans son ensemble. Ok, ook nog al wat vragen binnengekomen over ja, wat verwachten wij van een derde golf en de impact van een derde golf? Donc une troisième vague, l'impact d'une troisième vague. Een vraag die daar ook verband mee houdt. Iemand zegt van ja, het consumptiepatroon van de Belgen is sinds die eerste golf toch wel aangepast. Hè? We kopen veel meer online en de impact van die golven wordt kleiner. Is dat ook het standpunt dat de Nationale Bank deelt? Wat? Ja, ik heb ooit gezegd dat we geen tweede golf zouden zien en dat een ramp zou zijn voor onze economie. Dus wat ik zal nu zeggen, moet misschien met een zeker niveau van voorzichtigheid genomen worden. Inderdaad, de tweede golf is er gekomen, maar is minder zwaar. Dat heeft te maken met het feit dat de regels zijn minder strikt dan de eerste lockdown. Maar ook dat een aantal ondernemingen zich kunnen aanpassen door bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld van een horecazaak die plotseling of die zich omgevormd heeft in tijdelijk in een winkel en die producten verkoopt of die meer levert naar de mensen in plaats van binnen de ruimte van het restaurant. En we hebben dat gezien in verschillende ondernemingen en sectoren. Nu, een derde golf, what's in a name? Het is niet ondenkbaar dat we een kleine derde golf hebben. En op zich is dat misschien niet dramatisch. Als wij de zaken onder controle hebben op niveau van de ziekenhuizen. Ik denk dat wij maatschappelijk, dat er een relatief groot consensus is dat, dat er op een zeker moment is in de limiet is aan de capaciteit van de ziekenhuizen en dat we ons niet kunnen veroorloven dat mensen geen toegang hebben tot een zeker niveau van zorg. Maar bon, als wij op een zeker moment een kleine derde golf hebben, maar die onder controle blijft, dan zullen wij blijkbaar een aantal van de steunmaatregelen moeten verlengen. Dus ik zou niks uitsluiten. Maar inderdaad, moeilijke trade-off. En ik ben tevreden dat ik de beslissing niet moet nemen. Omdat diegenen die de beslissing moeten nemen tussen inderdaad teruggaan naar een zeker lockdown of misschien meer ruimte geven aan de economie, maar met het risico dat wij dan de zaak weer niet meer onder controle hebben. Dat is een heel moeilijke beslissing. En ook omdat wat we zien is in feite dat voor dezelfde maatregelen dat het daalt en dan op het zeker moment niet meer. Omdat de mensen zijn geneigd om hun gedrag aan te passen aan ook de besmettingniveau. Dus nog eens, met de maatregelen van 3 weken geleden was er een forse daling van de besmettingen en plotseling met bijna dezelfde maatregelen een stabilisering en dan een verhoging. Dus het maakt het heel moeilijk, denk ik, voor onze politici om de gepaste maatregelen te nemen. Oké, dank u wel. Een vraag van een key influencer, professor Yves Marx. Hij vraagt, hoe ziet u de evolutie van de steunmaatregelen? Wanneer is een geleidelijke afbouw volgens de Nationale Bank opportun?
en welke maatregelen bouwen we best eerst af? Bedankt Yves voor de vraag. Well, ik denk eerst, het is altijd een moeilijke keus maken tussen te laat stoppen met de maatregelen en te vroeg. Een beetje trade-off tussen zombie firma helpen of ondersteunen op de ene kant en op de andere kant het feit dat ja, de situatie blijft moeilijk voor veel ondernemingen. Ik zou zeggen, de moratoria. Ik zou misschien beginnen met de moratoria. Ik zeg niet dat we de moratoria niet moeten of zouden moeten verlengen. Maar als we met iets moeten stoppen, misschien eerst de moratoria, omdat wij op een zeker moment een beetje de waarheid van de cijfers moeten kunnen zien op niveau van hoeveel bedrijven hebben echt te kampen met moeilijkheden in dat verband. De tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht zou ik behouden tot op het moment en voor de sector die onder lockdown zich bevinden. Op het moment dat wij geen lockdowns meer hebben, dan zou ik geneigd zijn om daarmee relatief snel te stoppen. Voor wat de toekomst betreft, midden 21 zullen wij openlijk gegevens hebben door de vennootschapsbelastingen aangiften over de echte verlies die de ondernemingen geleden hebben in 2020. En op basis daarvan zullen wij een beter zicht hebben op de omvang van de shock voor de eigen vermogen van de bedrijven. En ik sluit niet uit dat wij op basis daarvan, als we echt tot de vaststelling zouden komen dat een aantal sectoren te kampen hebben met een heel lage niveau van eigen vermogen, dat we iets moeten doen. Maar we moeten oppassen als we fiscale maatregelen voor effet d'aubijn. Dus misschien is het dan beter om inderdaad gebruik te maken van achtergestelde leningen om de eigen vermogen van een aantal ondernemingen te versterken, die junior zou zijn tegenover bankschulden, zonder fiscale voordeel te geven aan zoveel ondernemingen of mogelijk investeerders, omdat dat misschien niet gericht genoeg zou zijn. Dus ja, ik zou zeggen om het kort te houden, stoppen met de steunmaatregelen relatief snel, dat we geen lockdownsmaatregelen meer hebben, met misschien een uitzondering voor wat nog eens de financiële structuur van en de balans van de ondernemingen, indien wij tot de vaststelling zouden komen dat de hit op de eigen vermogen te hoog is. Een question supplémentaire dans ce contexte. Eind januari eindigt al het moratorium op de faillissementen van ondernemingen. Donc fin janvier se termine le moratoire sur les faillissements d'entreprise. Quel sera l'impact de ça? Mais je pense qu'il y a deux choses, et je suis pas sûr que j'ai toujours exactement en tête les calendriers, et en plus parfois quand on discute de certaines choses au niveau politique de ce qui a déjà été publié ou pas, mais je dirais tant qu'on a toute une série d'entreprises qui sont sous moratoire de remboursement de leurs emprunts, on n'aura qu'une vue partielle de la situation. C'est quand, à un moment donné, les moratoires qui ont été offerts par les banques vont arriver à échéance, ils vont le faire graduellement, qu'on va commencer à mieux voir quel est le niveau vraiment de faillite et peut-être aussi en partie de perte d'emploi qui seront plus structurelles. Donc l'idée, dès le début de la crise, c'était de dire qu'il faut aider massivement, mais temporairement, l'économie om in feite de shock te mogen overbruggen en zoveel mogelijk et le plus possible prendre l'économie qu'on avait avant crise et la retrouver après crise. Mais évidemment, on sait qu'on ne va pas y arriver totalement. Et puis en plus, entre-temps, il y a une série de changements structurels dans notre économie. On va sans doute plus télétravailler après la crise. Il y aura sans doute une série de gens qui ont appris à utiliser des canaux de distribution digitaux qui vont rester sur ces canaux de distribution. Et donc, on va effectivement aussi avoir un certain besoin de transition et de réallocation des ressources.
Donc honnêtement, on a des contacts réguliers avec les banques et aujourd'hui, on a une vue très très imparfaite sur quelles seront finalement les pertes et les défauts d'entreprise. Et puis, il faut bien avoir en tête qu'une faillite d'entreprise n'implique pas nécessairement de fortes pertes d'emploi. Prenons le cas de Swissport à Zaventem. Le fait que l'entreprise ait fait faillite, si l'activité redémarre à Zaventem, il faudra des gens pour s'occuper des bagages. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des situations où une entreprise ne fait pas faillite, mais elle va moins investir, elle va moins engager du nouveau personnel avec un impact sur l'emploi. Donc oui, je crois que Geert a été très, très honnête en la matière avec son histoire de chat de Schrödinger. Pour l'instant, une partie de l'économie belge qui est sous une forme de coma artificiel, on a mis un couvercle. Et quand on va retirer le couvercle, et c'est le retrait progressif des différentes mesures de soutien, on va mieux voir ce qui se passe. Mais on a quand même des enquêtes qui nous donnent une série d'indications. Et le fait que finalement, allez, en 2020, de manière assez paradoxale, le nombre de faillites a baissé. Donc il y a quand même toute une série de gens qui se disent que ça vaut au moins la peine d'attendre avant de se déclarer en faillite ou d'aller vers le tribunal pour finalement mettre la clé sous le paillasson. Ok. Plusieurs questions d'aide publique. Meerdere vragen over de Belgische schuld, de globale schuld. Verwachten we eventueel, houden we daar rekening mee met een scenario van een Belgische schuldencrisis in 2021-2022, mocht bijvoorbeeld de rente opnieuw gaan stijgen? Verwacht u eventueel een globale schuldencrisis? Een vraag ook van Steven Tripsteen. Om het risico van een hoge schuld te beoordelen, is de hoogte van de reële rentelast ook belangrijk? Zijn deze gedaald in 2020? En wat is er gebeurd met de maturiteit van de Belgische schuld? En ook nog een laatste vraag in dat verband van Karel Lano, die ons vraagt waarom stijgt de Belgische schuld veel sneller dan die in Nederland, volgens onze scenario's? Ja, dus... misschien over de feiten en de data en dan de beoordeling die we zouden kunnen maken. De rentelast zal in feite blijven dalen als wij ons financieren op negatieve rente. En dat is nominaal en dus in reële termen gaat het over inderdaad zeer gunstige financieringsvoorwaarden. En de schuld is in België forser gestegen dan in Nederland, gewoon omdat de recessie dieper was. En misschien omdat wij hier en daar meer gedaan hebben. Hoewel, ik denk niet dat dat het geval is. We zouden moeten terugkijken naar de verhoging van het tekort. En ik denk dat die relatief vergelijkbaar is, of zelfs misschien hoger in Nederlands. Maar Geert dan kan mij verbeteren in dat verband. Maar dan misschien weer over, oké, waar gaan wij naartoe? Een risico van schuldcrisis in België of in Europa. In de komende 2 jaren, eerlijk gezegd, met wat we gedaan hebben en met de nieuwe verlenging van onze maatregelen op monetair niveau, dus QE, de PEP, APP, maar ook verlenging van de LTAO's die de financiering van de ondernemingen ondersteunen en de rentabiliteit voor een deel van de banken. En omdat de voorwaarden zijn zeer genereus, ik verwacht geen grote probleem op korte termijn in de komende 2 jaren. Maar inderdaad, op middellang en langere termijn, dat zal zeer afhankelijk zijn van de geloofwaardigheid van overheids, het beleid in verband met overheidsfinanciën. Als men geen geloofwaardig signaal kan geven dat het tekort zal naar beneden gaan, ja, op een zeker moment komt een shock. Of gewoon worden de mensen wakker dat dat niet houdbaar is. En dan weten wij dat het heel snel kan gaan. We hebben dat gezien voor de financiële crisis. Hè. Tot 2008 waren de financieringsvoorwaarden van landen zoals Griekenland zeer gunstig. En dat plotseling, wauw. En zelf in België, hè, op een zeker moment met de lening Le Terme, waren onze spreads gestegen met 350 basispunten, hè, tot een rente van 500 basispunten. We weten dat dat heel snel kan gebeuren. Il y a beaucoup de gens qui parlent de... en matière climatique, hein, qui disent que ce sont des problèmes qui sont pas linéaires et qui, à un moment donné, on peut avoir tout d'un coup, à un moment donné,
le climat qui part vers un équilibre qui est tout à fait insoutenable. Donc c'est un argument qui revient régulièrement, mais c'est tout à fait le cas aussi pour les dettes. Les marchés ont tendance à réagir de manière assez brutale. Pour l'instant, on voit que le coût du risque est très très faible sur les marchés. On sait que ça peut changer très rapidement. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper en la matière et ne pas attendre le moment où le marché se réveille ou alors où on est confronté à un nouveau choc. On attend de dan wachten. Ja, dan zullen wij een saneringsbeleid moeten uitvoeren zoals ze hebben dat moeten doen in Portugal, Spanje en Ierland rond 2011-12. En dat was op sociaal niveau rampzalig, omdat het... ja, dan heb je de keus niet meer en het moet heel snel gebeuren met de sociale kosten vandaar. Ja, quelques questions quand même communautaires. Une question, les projections sont-elles différentes entre les régions belges et quoi avec le taux de chômage, l'évolution du taux de chômage? Est-ce qu'on voit des différences entre les régions? Alors, c'est une projection qu'on a faite ici sans distinction régionale, donc je peux pas répondre à la question. Ce qu'on sait pour l'instant sur base de nos surveys de l'ERMG notamment, c'est que la région wallonne et la région bruxelloise, pour des raisons différentes, on semble souffrir plus de la crise. La région bruxelloise, c'est probablement lié au fait que simplement les villes souffrent plus, et notamment les centres-villes, parce que pour l'instant, les bureaux sont vides dans les centres. Donc toutes les activités qui tournent autour de la présence des gens, des nafteurs en ville, souffrent. Je crois qu'on doit retrouver la même chose à Anvers, mais évidemment, on ne collecte pas des données à ce niveau des agrégations, on le fait plutôt au niveau régional. Et en Wallonie, ce qu'on constate, c'est que la capacité des entreprises et des ménages à faire face à leurs obligations de liquidité ou à pouvoir tenir en matière de liquidité est moindre. Donc, ils ont moins d'épargne au niveau des entreprises et des ménages qu'en Flandre. Et ça pourrait malheureusement conduire à des effets structurels plus importants. Une reprise de la consommation moins forte, ou une capacité d'investissement et de reprise en chef des entreprises moins forte. Mais notre projection n'est pas désagrégée au niveau régional. Encore quelques questions concernant les banques. Il y a quelqu'un qui pose la question, quid l'utilisation de la ligne fameuse bazooka par les banques. Une autre question ook in dat verband. Wat zijn volgens u gouverneur de redenen dat de kredieten met staatswaarborg relatief weinig succes hebben gekend? Oui, alors effectivement, c'était un peu le but. On avait annoncé des chiffres très importants en matière de garantie pour vraiment indiquer que on était prêt à intervenir ou que les autorités étaient prêtes à intervenir presque sans limite. Donc on avait compté large, mais effectivement, on a beaucoup moins utilisé les garanties qu'attendues. Hein. Finalement, la première garantie, 1,5 milliard. Ce qu'on a vu, c'est que les banques, en fait, considéraient qu'elles avaient une connaissance suffisante de leurs clients, parce qu'on a vu une vraie augmentation du crédit au cours des premiers mois du lockdown. Hein. Donc au printemps, on a eu des augmentations fortes des crédits aux entreprises, essentiellement hors garantie. Les banques ont préféré prêter à des échéances plus longues, puisque la garantie était limitée à 1 an, et sans imposer le coût de la garantie à leurs clients. Ce qui est plutôt positif parce que ça veut dire qu'elles se sentaient en état, au moins pour la majorité de leurs clients, de juger de leur qualité de crédit. Et puis, en donnée, elles sont revenues vers nous. Elles ont dit qu'il y a une partie de nos clients qui sont trop à risque. Et pour cela, on ne peut pas prêter sans une garantie plus généreuse. En dus we zijn gegaan naar een nieuw systeem, meer généreuse, met een waarborglijn per lijn van de overheden voor 80% van de bedragen. En wij dachten inderdaad dat er een soort van tweede rand van financiering zou komen, dan voor ondernemingen die misschien meer risicovol waren. Maar omdat een aantal van deze ondernemingen nog vallen onder het moratorium, is er vandaag weinig vraag voor de tweede waarborg. Alors, est-ce que ça va rester le cas ou pas? On ne sait pas. Maintenant, voilà. Cette garantie, elle est là, s'il est utilisé, tant mieux. S'il n'est pas utilisé, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas de l'argent perdu, puisque simplement, on ne va pas l'utiliser. Et je dois dire qu'en la matière, en Belgique, comme on a été moins généreux au début, on a peut-être été plus ciblé. L'impact sur les finances publiques sera même probablement légèrement positif, alors que dans certains pays, notamment du sud de l'Europe, on s'attend à des risques pour les finances publiques qui sont très importants.
Mon sentiment quand même, c'est que tout ça reflète une santé et une capacité de résistance des entreprises qui est relativement bonne, mais aussi que quand il faut choisir, les banquiers préfèrent quand même offrir des conditions de crédit, peut-être parce qu'elles sont en concurrence entre elles, hors garantie, qu'en faisant appel à la garantie. Mais on aura de nouveau plus de visibilité là-dessus en 2021, du support moment dat we op verval komen van de moratoria ook voor de huishoudens en van een aantal steunmaatregelen, uitstel van belasting en andere, zullen wij een beter beeld hebben op de liquiditeitsbehoeften van de ondernemingen en de manier waarop de banken al dan niet in staat zijn om leningen uit te lenen. Ja, laat ons eindigen, want het is al 5 na 2 ondertussen, met een vraag rond Brexit. Er zijn veel vragen rond Brexit binnengekomen. Dat is natuurlijk absoluut in de actualiteit. Houdt de bank in dit scenario rekening met een hard of een soft Brexit? Een hard. Ik denk dat Geert heeft het vermeld heeft, maar misschien te snel. Maar inderdaad, wij nemen rekening met een hard Brexit. Dat was een consensuele, geharmoniseerd hypothese op Europees niveau van de ECB. En dus dat is een mogelijk upside indien we gaan naar een beter of minder slecht akkoord. Ja, en die Brexit, ja, kan je daar iets meer toch over zeggen? Ik weet, het is niet meteen het onderwerp van vandaag, van hoe groot... Ja, het verandert dag op dag of uur op uur. Dus ik denk dat men moet gewoon... de krant blijven lezen en zien. Het is een chicken game, zo'n type van onderhandeling. Dus het kan dat het tot op het laatste moment dat de boodschappen negatief zijn en dat wij dan een akkoord krijgen, of dat mensen optimistisch zijn en dat op het einde van de rit zijn niet in staat om te beslissen wie de laatste stap zal moeten doen om te landen en dat wij dan geen akkoord zouden zien. Ik weet het gewoon niet. Oké. Ze komen over de cijfertjes. Geert, van verschillende mensen vragen ook naar de spanning tussen een deal en een no-deal op het vlak van de indicatoren. Dus het is zo dat we, mocht er een deal zijn, dat we zouden rekening houden met een verhoging van de totale BBP met iets van een 0,5, waarvan ongeveer 0,3 in 2021. Vroeger was dat veel, maar ik vestig jullie aandacht op het feit dat we bijvoorbeeld gewoon al de korte termijn met 0,5 opwaarts hebben herzien, omdat de lockdown bijvoorbeeld vroeger is geëindigd en omdat de winkels vroeger open waren. Dus ons standpunt daar is een beetje dat de onzekerheid rond de Brexit, die er natuurlijk is, een beetje in het niets verzinkt in vergelijking met de onzekerheid rond COVID en de verdere evolutie van de gezondheidssituatie. Bedankt Geert voor deze opmerking. Ja, dank u wel. Toe en relatief. Hè? Ja, dank u wel, gouverneur, met die filosofische boodschap. Alles is relatief, gaan we dit webinar beëindigen. Er zijn nog veel andere vragen gesteld. Sommige mensen zijn misschien een beetje gefrustreerd omdat we hun specifieke vraag niet hebben kunnen stellen. Mais je propose que on va encore donner une réponse sur notre site mbb.be sur certaines questions qui sont intéressantes et valables. Donc, je propose qu'on va le faire. Donc, n'hésitez pas de visiter notre site de la banque mbb.be et dans les jours qui viennent, on va essayer de vous donner la réponse sur votre question spécifique. Dan rest mij nog één ding en dat is u namens alle medewerkers van de Nationale Bank een fijn eindejaar te wensen en een goede start van 2021. Een jaar waarin het ook volgens onze voorspellingen alleen maar beter kan. Donc, il ne reste qu'une chose, dat c'est de vous souhaiter des fêtes agréables dans les jours qui viennent, des fêtes en famille, intimes, et une bonne année 2021, une année qui, selon les prévisions de la Banque Nationale, sera nettement meilleure que 2020. Dank u wel en graag afspraak in februari voor een volgend webinar naar aanleiding van het jaarverslag van de Nationale Bank. Merci.